Une scène de jalousie impliquant un policier et un instituteur dans le village de Niaboisso dans la sous-préfecture de Guitry a failli tourner au drame. Je vous explique ce qui s'est passé. Un policier en service au commissariat de Lakota soupçonnait sa fiancée, institutrice dans le village de Niaboisso, de lui faire des infidélités. Selon ses sources à lui, sa fiancée partage ses nuits avec l'un de ses collègues instituteurs. Dans sa crise de jalousie, et espérant les prendre la main dans le sac, le policier s'est rendu dans la nuit du vendredi 10 novembre 2023 dans le village où exerce sa fiancée. Une fois sur les lieux, il monte la garde et quelques minutes plus tard, il surprend sa fiancée à l'arrière de la moto de l'instituteur en provenance d'une veillée religieuse. Dès qu'il les a aperçus, il s'est jeté sur eux et ils ont commencé à se bagarrer. Au cours de l'altercation, le policier blesse l'instituteur au visage. Il profère des menaces à sa fiancée et à l'instituteur avant de sortir son arme et tirer deux coups de feu sur la moto de l'enseignant. Satisfait de son acte, il retourne à Lakota avec son enfant de 2 ans. L'instituteur blessé porte plainte dès le lendemain, c'est-à-dire le samedi 11 novembre, à la gendarmerie de Guitry. Quant à la fiancée du policier, elle a été interpellée par la gendarmerie pour les nécessités d'enquête. Des éléments de la gendarmerie se sont rendus automatiquement sur les lieux des faits pour faire le constat. Selon nos sources, l'arme du sergent de police a été retirée et gardée à l'armurerie du commissariat de Lakota. Il devra s'expliquer devant sa hiérarchie. La jalousie maladive du policier en question l'a mise dans les problèmes.